de dessin qui était une façon très particulière de présenter la guerre à base de traits de crayon très légers. Et Théo a repris ce style, mais version guerre d'Algérie. Et il est, je crois, dans la caisse aussi. On pourra le faire passer tout à l'heure. Donc ça veut dire que là, il a fallu vraiment se documenter. Oui, c'est sûr. Vous ne pouvez pas dessiner d'après. Voilà, ça, je me suis occupé de la partie contexte large, en fait. Je suis vraiment occupé du carré de guerre de ce modèle. En reprenant un peu, en inspirant les. Qui avait fait un carnet, un soldat américain du grand débarquement en Normandie, la bataille de Normandie, qui avait fait un carnet de croquis de ce qu'il voyait en fait. Et du coup, je me suis inspiré de ça sans forcément dessiner des scènes de combat, parce que c'est, je pense, difficile de dessiner ce coup de balle. Du coup, en inspirant de ça et en présentant plusieurs scènes de la guerre d'Algérie, je vais vous faire passer. Il va pas m'aimer. Donc c'est quoi? C'est dessiné d'après photo? C'est dessiné d'après... D'après photo, d'après documentation, d'après croquis aussi de la guerre d'Algérie et un peu d'après imagination, je me cache pas, mais j'ai pas les... Et voilà, on m'inspire aussi beaucoup de paysages, que je connais de paysages de la guerre de l'Algérie, en fait, simplement. J'ai installé des éléments de la guerre, afin de faire des trucs plus sincères. Je me suis inspiré, enfin je me suis documenté sur le parcours que les soldats faisaient de la France à l'Algérie, en fait, de toute la, comment dire, toute la route et la mise en œuvre pour faire venir les combattants justement en Algérie. Et aussi beaucoup de par les équipements militaires et pas mal de choses et les scènes qu'on pouvait voir sur le bateau. Du coup, Morgane, comment est-ce que vous avez géré la partie vie quotidienne dans Paris, quand vous avez confronté justement les cartes anciennes de Paris avec la bourgade actuelle, qu'est-ce que vous avez remarqué, est-ce qu'il y a des choses que vous ont... Mais il y avait quand même pas mal de vieux qui avaient changé. Et du coup, c'était assez vraiment de... Quand on lit l'histoire, on peut s'imaginer que le personnage en une journée ou en tant de temps, il puisse se déplacer de terrain à terrain. D'accord. C'est vraiment ça. C'est la cohérence pratique, comme si vous, par exemple, je donnais 20 minutes pour aller d'un endroit à l'autre, vous mettez les mots. Et au niveau des ambiances, par exemple, comment est-ce que vous avez imaginé les ambiances? Dans l'imaginaire de notre personnage, ça
On s'est aussi servi de la folie pour justifier l'utilisation de quelques documents, parce que, par exemple, celui-ci, c'était difficile de trouver un rôle, donc pour nous, c'était un billet, enfin, il a trouvé ça, et il s'en est servi pour essayer de trouver un code secret, qui n'a mené sur rien, parce qu'il est fou. Quoi. Et je vous montrerai le carnet après, je vais vous le si vous voulez, mais... Un carnet de livrons à sa coche. Oui, avec nous, c'était livré dans une sacoche, c'était sa sacoche d'aventurier, qui n'a pas l'histoire. Et donc, le carnet est constitué en. Enfin, il y a deux parties. Il y a la première partie où tout est écrit droit avec des schémas, etc. C'est la partie lorsqu'il était aventurier vraiment dans sa jeunesse. Et la seconde partie, c'est le carnet qu'il a repris quand il est parti à la recherche de sa femme. Il a repris ce vieux carnet parce qu'il s'imaginait toujours être aventurier, etc., même s'il était plus âgé et avait complètement de folie. Donc, dans cette deuxième partie, c'est écrit dans tous les sens, avec du bazar de partie, et des documents en partie. Voilà. L'idée aussi, vous avez la construction d'une histoire d'un côté, mais il y a aussi la construction d'un personnage. C'est un personnage qui a un passé, qui a un environnement, qui a des amis, qui a de la famille, qui a aussi des motivations, et qui a aussi un caractère. Et ce caractère, il va se refléter dans le support qu'il choisit pour écrire. Si c'est quelqu'un, par exemple, qui va être en permanence assailli par des idées, il va avoir besoin d'avoir quelque chose sur lui. Pour écrire en permanence, il va plutôt choisir un petit cahier. Quelqu'un, au contraire, comme ici, la grand-mère du personnage, est chez elle, travaille chez elle, elle peut se permettre d'avoir quelque chose de plus conséquent, de plus gros, aussi derrière. Le caractère du personnage va se retrouver aussi dans son écriture, comment est-ce qu'il écrit. Est-ce que c'est quelqu'un de posé qui va écrire pour, avec le désir d'être lu et compris, donc il va faire attention à son style, à son écriture aussi. Ou est-ce qu'au contraire, c'est quelqu'un qui fébrilement enchaîne des idées telles qu'elles viennent pour ne pas les oublier et s'adresse à lui-même. Voilà. Donc il y avait aussi cette recherche à faire sur le personnage, et dans le cadre de l'écriture manuscrite, par exemple, aussi dans le cadre des supports, il fallait se renseigner sur la façon dont l'écriture manuscrite, de la façon dont les gens écrivaient à la main dans les années 60. L'écriture a beaucoup évolué. Maintenant, on a tendance à écrire, vous savez, des lettres au bâton, détachées, c'est loin de la cursive qu'on a appris à l'école. Par exemple. Donc il y a aussi un travail comme ça recherche du contexte, mais aussi de la recherche de la forme. Et là, par exemple, sur le petit carnet qui tourne sur les dessins de la guerre d'Algérie, le style est très proche du style de dessin du soldat américain de 1944, et il est très éloigné du style de dessin de maintenant. Donc il fallait vraiment se poser la question chaque fois qu'on faisait quelque chose, et d'aller chercher des référents dans l'époque dans laquelle on voulait s'ancrer. Il y a par exemple des étudiants qui m'ont livré, qui ont inventé un numéro pour le personnage principal. Et alors j'ai eu les deux cas. J'ai eu un numéro de téléphone à 10 chiffres pour les uns. Et pour d'autres, par contre, j'ai eu vraiment la recherche du format du numéro de téléphone de l'époque. Un groupe aussi m'a livré un sac à main dans lequel il y avait forcément un porte-monnaie et ils avaient pris soin de ne pas mettre de pièces au-delà de 1963. C'était où ? Non, mais c'est que ce sac était immense, hyper rigide. Ouais, c'est pas mal. Ouais. Et voilà, il y avait plein de petits détails. Il y a aussi un autre groupe qui avait travaillé sur Camus, sur l'étranger. Et je trouve dans les moments, le livre de poche. Alors je leur dis, écoutez, c'est bien pour le reste, mais pour le livre de poche, on sort de l'histoire. Et je le feuillette, et je me rends compte qu'ils avaient falsifié la date d'impression du livre derrière. Donc, ils n'ont pas eu les moyens de trouver un original de la peste. L'étranger, je ne sais plus. C'était la peste. Ils n'ont pas eu les moyens de trouver un étranger, mais ils m'ont fait comprendre qu'ils y avaient pensé. S'ils avaient les moyens, etc., ils auraient poussé la recherche aussi. D'autres, on s'en est cherché des mémoires du général de Gaulle. Donc, il y avait vraiment cette question de aller chercher, confronter ce qu'on sait par rapport à la réalité de l'époque telle qu'elle est, se projeter, et puis considérer finalement une époque lointaine comme un pays étranger. Il y a des différences de culture, à 50 ans d'écart, on ne pense pas de la même façon, on gère le temps de façon très différente aussi. On s'adresse de façon différente aux gens, vit différemment, etc. Donc l'intérêt, le but de ce projet-là, c'était aussi de les inciter à questionner peut-être des certitudes. Voilà, c'est ça en fait. C'est un gros travail de fond et c'est une période dans laquelle on n'a jamais, on n'a jamais par nous-mêmes, en fait, de s'intéresser aux années 60 de France. Enfin, c'est assez rare. Chez les jeunes d'aujourd'hui, et du coup, là c'était un peu dans un second livre, quoi. On est là face à une montagne de gros travail à accomplir, et je
super intéressant de découvrir tout ça et de donner les moyens de chercher en fait et d'aller jusqu'au bout de ce travail. Surtout qu'en plus, il n'y avait aucune indication de ce qu'on devait potentiellement rendre, de comment fonctionner pour les recherches. À chaque fois, on venait vous voir, on va dire qu'est-ce qu'il faut faire et on disait faites, vous verrez, on verra bien. Et donc, au final, ben, on s'est tous donné à fond pour faire les trucs les mieux, les plus recherchés, les plus documentés, les plus détaillés. Puisqu'en fait, c'est aussi un test, l'année qu'on a fait. Donc, du coup. C'est un véritable test parce que il faut savoir que le projet a été fait en 5 séances de 3 heures. Avec du travail évidemment à l'extérieur, mais ils sont extrêmement sollicités par les autres matières aussi. Quand il y a 2 semaines, on ne parle pas de vacances, hein, pour eux on parle plutôt de deux semaines. Vous avez peut-être de vacances, moi je suppose de deux semaines. Donc c'est un très gros travail. Tout ce qui concerne toute la partie vieillissement, etc., moi j'avais accès vraiment sur l'aspect de observer pour reproduire, essayer de trouver des vieux documents, aller en ligne, etc., voyez comment ils vieillissent. Moi je vous donne deux indications, vous avez un vieillissement chimique, ça jaunit, un vieillissement physique, ça prend des coups et ça se déchire, ça se passe. Voilà. Après, débrouillez-vous pour les techniques de vieillissement, l'idée c'était de ne pas leur donner de techniques, mais que eux les inventent, donc avec des résultats divers. Mais l'idée, c'était de dire, voilà, c'est un bac à sable, vous avez l'occasion ici de tenter des choses, à partir du moment où vous pouvez les argumenter derrière, vous pouvez raconter ce qu'on veut dans vos histoires, mais il faut les argumenter, et il faut défendre vos idées. Vous avez l'occasion, là, de pouvoir tenter des choses sans que ça prête à conséquence. Vous n'êtes pas en train de travailler dans une boîte qui a des impératifs énormes. Vous pouvez, entre guillemets, vous tromper, vous planter. C'est comme ça qu'on progresse en fait. Hein. Vous savez, c'est BKM, on trompe le plus souvent possible. Voilà, donc essaye, refais, etc. Voilà, donc c'était vraiment cette démarche de bac à sable et de test. C'est vraiment sympa, la première fois qu'on a travaillé comme ça. Et du coup, c'est une histoire avec des documents et des contraintes. Et... Non, là, c'était vraiment sympa. C'est surtout drôle de voir maintenant, du coup, les premières années, avoir un sujet différent. Mais du coup, les voir galérer comme nous, on galérait l'année dernière. Mais du coup, on a essayé de le casser aussi. J'avais envie de rien. Rien du tout. Le pire, c'est que moi, ce projet, j'ai envie de le faire aussi. J'ai envie de le faire parce que c'est super intéressant. En plus, il y a des nouvelles contraintes. Du coup, il y a plein de documents cette année. Non, il y en a moins. Ouais, il y en a moins. Moi, il y a une chose qui m'a triste, c'est mon centre. Pourquoi il arrive dans les années 63, 64 ? Parce qu'il est déjà là. Déjà. Si en fait Monsanto c'est une très belle entreprise américaine et ils ont commencé à chercher à s'implanter en Europe après dans ces années-là. Et donc du coup en France il y avait des vices de loi qui permettaient à Monsanto de potentiellement s'implanter ici. Il y a eu plusieurs logos qui ont été changés pour arriver justement en France. Et donc du coup on avait vraiment regardé et croisé et en fait ça pouvait potentiellement coïncider au moment où Monsanto pouvait rentrer dans le marché français. Puis dans les années 60 où l'agriculture change aussi, et donc du coup proposer des nouvelles manières de faire l'agriculture, de produire. Voilà. Mais vous savez, c'est l'issue du plan Marshall, hein. C'est on vous aide, mais vous facilitez nos entreprises chez nous. Hein. On est complètement dans cette époque-là. Donc du coup, en plus, on avait fait des recherches sur les différents logos, ouais. Quand l'étudiant visitait le cellier, elle trouvait un logo en fait, de Monsanto sur une poutre ou sur un tonneau, dans le cellier. Et donc du coup, il fallait vraiment qu'on fasse une recherche sur toute l'évolution du logo de la firme Monsanto pour ne pas prendre celui d'aujourd'hui qui n'avait rien à voir avec l'entreprise familiale agricole d'il y a plusieurs dizaines d'années. Donc du coup, on a vraiment cherché, du coup, appris beaucoup de choses sur la firme Monsanto de l'époque. Ouais, c'était une grosse tête. J'ai beaucoup aimé le jeu. Oui, allez, ça. Oui. Ben, merci déjà de nous faire partager cela, parce que c'est vraiment très intéressant. Mais il y a une question, vous êtes donc des jeunes en formation dans le domaine du numérique et du virtuel, du jeu vidéo. Vous êtes maintenant avec entre les mains un objet très, très concret, et d'ailleurs c'est vraiment sympathique vraiment de nous faire partager ce soir. Mais justement, comment est-ce que vous avez dans l'idée de le faire partager d'une manière plus générale, cet objet concret, par la voie numérique?
Est-ce que vous avez une projection à venir de cette réalisation? D'ailleurs, réalisation que vous ne pourrez pas partager entre vous, parce qu'il y a un objet pour deux ou trois élèves, étudiants qui l'ont fait. Ça doit être un déchire-cœur de savoir qui va l'avoir, c'est peut-être l'école en dépôt. Mais alors, comment, numériquement, vous pourriez le faire partager à un plus grand nombre que nous ce soir? C'est une bonne question, mais peut-être pas dans le cinéma d'animation. Si, raconter l'histoire du carnet. Ouais, ouais, il y a le cinéma d'animation, raconter l'histoire du carnet, parce qu'on est étudiant en cinéma d'animation. C'est mélangé, il y a des genres d'effets spéciaux, jeux vidéo et cinéma d'animation là-dedans. Ça pourrait même en jeu vidéo, en soi, il y a plusieurs techniques, enfin plusieurs styles de jeux vidéo qui pourraient prêter au sujet. Mais d'un côté, ça serait quand même assez. Enfin, ça reste un beau, comment dire. C'est un bel objet, ça serait super intéressant de développer en production. Mais en même temps, le fait que ça reste un objet qu'on a travaillé aussi, qu'on a soigné, fait en sorte que ce projet soit le plus réaliste possible, ça perdrait un peu de son, comment dire, sa pureté entre guillemets. Après, aujourd'hui, dans le jeu vidéo, on est capable d'avoir des objets physiques, qui sont utiles pour avancer dans l'intrigue du jeu vidéo. C'est-à-dire que par exemple, avec des smartphones, il y a eu un projet de PFE de l'année dernière, ou un projet de fin d'études de notre école, donc à 5e année, où en fait, ils ont imprimé un livre, où quand on passe son smartphone ou sa tablette, tout d'un coup, dans la tablette, le livre prend vie, et donc, comme de la réalité augmentée, et du coup, on peut jouer au jeu, mais grâce au livre. Donc, du coup, il serait peut-être aussi intéressant de retravailler les carnets. Pour que dedans on puisse développer la technologie, pour qu'avec une tablette, un smartphone ou un ordinateur, on puisse du coup voir les scènes du carnet, ou potentiellement nous-mêmes faire l'enquête, écrire, à côté aussi sur un papier. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire aujourd'hui avec ce qui est physique et ce qui est numérique. Donc oui, c'est possible. Après, c'est pas prévu par l'école de réutiliser. Peut-être en projet de fin d'études, du coup, de 5 ans, peut-être qu'un jour on va être amené à réutiliser, puisque maintenant c'est du coup ça appartient à l'école, tous les carnets appartiennent à l'école. Donc du coup, potentiellement les réutiliser. Pourquoi pas? Alors l'année dernière, deux étudiants, dont Marion, sont venus présenter les travaux dans le nom de leurs camarades dans un festival à Brest. C'est un festival de carnets de voyage. Vous savez, il y a des écrivains voyageurs, des dessinateurs voyageurs, etc. Et donc, comme c'était aussi des carnets, et que finalement ils proposaient eux aussi une forme de voyage un peu particulier, un voyage de proximité, puis aussi un voyage dans le temps. Les organisateurs du festival ont été plutôt très intéressés de voir quelque chose qui changeait un peu. Et ça a été l'occasion pour les étudiants de voir comment un public lambda, enfin comment le grand public, recevait leurs travaux. Moi, ça m'a semblé important de les sortir de l'école, parce que quand je les avais entre les mains, j'avais envie de plonger dedans, et je me disais que ça pouvait faire mouche aussi auprès des gens. Et ils ont joué parfois le truc, nous l'avons fait dans le cadre d'un cours, et parfois c'est des vrais. Et je sais que quelqu'un est venu à un moment qui est quelqu'un qui avait fait de la brocante des années auparavant, et qui a cru que c'était des vrais. Et qui après m'a dit, mais je suis vert, je me suis fait avoir, je le savais pourtant que c'était des faux, mais je me suis laissé embarquer. Je me suis laissé mener en bateau. C'est un très beau bateau. Et vous savez, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Hein. C'est-à-dire que vous acceptez de croire ce qu'on vous propose. C'est ce que vous faites quand vous allez au cinéma. Mmh. Vous mettez de côté votre esprit critique et vous vous laissez transporter par une histoire. Mais vous êtes dans là ce qu'on traite bien. Voilà. Donc là, ils ont pu voir en réel comment le public découvrait leur travail. Alors il y avait un effet de masse qui était assez impressionnant aussi, parce que là, comme ici, il y en avait partout. Et Marion, peut-être tu peux en parler. Oui, alors c'était super intéressant. On avait pris plusieurs projets qui avaient été réalisés par les différents étudiants. Et c'était vraiment super intéressant de voir la réaction des personnes parce qu'ils venaient, donc quand ils regardaient d'abord à première vue, ils pensaient vraiment que c'était des anciens. Après, par exemple, pour la carte d'identité, quand ils touchaient et tout, ils disaient ah non, une fois qu'on leur avait dit que c'était faux et qu'on les laissait toucher, ils se rendaient compte en fait qu'au niveau de la texture et tout, c'était pas comme ce qu'ils avaient connu pour les personnes qui avaient connu ça. Et du coup, ils se rendaient compte que c'était faux, mais sinon, à première vue, la plupart des personnes, ils ont vraiment cru que c'était des vrais documents, ils étaient super intéressés, et à chaque fois qu'on leur disait que c'était faux, ils étaient assez bluffés. Donc ça faisait plaisir. Voilà, comme quoi, l'école peut sortir dans la rue aussi. Et là, c'est la rue vraiment qui a fourni, hein. c'est le territoire qui a fourni l'inspiration, et ça a été réinjecté finalement dans le territoire, d'accord, un peu comme on se fait. Pardon de vous appeler le territoire, je pense à l'arbitre, mais voilà, boucle un peu la boucle. Ouais. Question. Peut-être que vous voulez voir les carnets aussi. Oui, c'est ça. Ça nous passe des carnets.
question des réactions. Des réactions d'incrédulité, est-ce que si ça ne vous touche pas du tout, n'hésitez pas à le dire non plus, hein, parce que c'est... Non mais moi la question c'était, vous étiez 30, ça. Ouais. Il y avait 30 groupes. En fait on était 30 groupes, 5 personnes. Ça représente 150 élèves. 150 élèves, c'est la première carnet au final. 30 carnets au final. 30 carnets au final. Non, ça prend des étagères. Donc il y avait 5 personnes par carnet. Ouais. Et c'était aussi le premier projet de groupe qu'on faisait de l'année. Ouais. Et du coup, nous, au niveau de l'organisation, c'était aussi la première fois qu'il fallait apprendre à travailler en groupe avec des personnes qu'on ne connaissait pas forcément. Et du coup, c'était toute une organisation parce qu'on n'habitait pas tous à côté. Fallait... Chacun avait plus ou moins sa partie. Enfin, un peu, je ne sais pas comment ça s'est passé dans les autres groupes. Mais nous, après, par 5, quand on entre 5 et un carnet, ce n'est pas que un carnet, il y a tout un travail autour, plus tous les éléments qui constituent justement le carnet et ce qu'il y a autour en fait. Quand par exemple, le projet Organe, on a eu le carnet, plus le petit carnet de la guerre, plus les croquis de notre soldat qui a dessiné des victimes torturées en fait, qui a dû faire une recherche d'ailleurs là-dessus, qui n'était pas très agréable à faire, mais qui a dû faire quand même. Voilà, c'était vraiment, quand on parle de carnet, on parle de toute la totalité du travail et tout ce qu'il y a autour du simple carnet. C'est un objet narratif. C'est le justement, sur un groupe de 5, est-ce qu'il y avait une répartition de compétences? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont plus des graphistes? Par rapport à la compétence de faussaire que vous avez développée pendant cette année, est-ce que certains avaient des compétences et une répartition? Ou au contraire, vous avez dû tous vous investir dans différentes choses. Oui, il y avait quand même plus. C'est plutôt réparti les tâches. Par exemple, moi j'avais tout ce qui était l'album, toute l'écriture et tout ça. Il y en a d'autres qui se sont vraiment concentrés sur le script et sur les documents à fossé et téléphoné. C'est vraiment concentré par exemple sur le carnet du soldat. Et après, en amont, on a tous travaillé sur l'histoire. Hein. Et après, c'est vraiment sur la fin, sur les finitions, sur le rendu, pour ça c'est pareil. Ça dépend aussi pas des capacités, mais certains qui étaient plus intéressés que d'autres. Par exemple, il y avait Laurie qui était dans notre groupe, qui à l'école depuis que j'ai passé dans l'année supérieure, et du coup avait fait un vrai travail de code dans notre... En fait, elle avait crypté des passages du carnet, qui du coup vous avez donné, je crois, du code. Ouais. Oui, j'avais demandé. Parce que du coup, voilà, on essayait plein de choses, on avait écrit aussi en anglais, il y avait plein de... choses comme ça. Après, on avait une personne de notre groupe qui a écrit. On a écrit tous un peu en même temps le texte. L'histoire, on l'a tous écrit ensemble, mais ouais. Après, il y a Laurie qui avait écrit le carnet. Alan, du coup, un autre membre du groupe qui n'est pas là, qui s'est occupé en fait d'écrire toute la partie de l'enquête qui était menée par l'étudiant, donc sur une imprimante, enfin, l'imprimante d'une machine à écrire. Je ne sais plus comment on l'avait fait, mais en tout cas, tout le monde, pour ce qui était du scénario, comme c'est l'élément principal quand même de l'histoire, tout le monde avait son droit de regard sur la narration. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une personne qui faisait ça et une personne qui faisait autre chose. Il y avait... Tout le monde avait son job, entre guillemets, mais tout le monde pouvait. On se montrait tout le temps, on se checkait toutes les semaines, toutes les deux semaines à peu près, je ne sais plus combien de fois on a eu. 5 fois. 5 fois. À chaque fois, on cherchait à dire bon, ben, est-ce que c'est moi, est-ce qu'on est dans la bonne direction ou pas. Et du coup, on était un peu au seul jus, parce que vous n'avez pas vraiment d'avis à donner. Non, et puis en plus ça, il y avait beaucoup de choses qui restaient secrètes, grosso modo, du projet, parce qu'il y avait des carnets qui étaient grands, des carnets anonymes. Et j'ai passé 3 semaines à corriger quasiment au jour le jour, enfin, quasiment tous les jours, parce qu'il y avait des carnets dans lesquels il y avait des énigmes, donc il fallait que j'y aille au maximum au fond, pour ne pas passer à côté de qui était... Alors j'avais quand même demandé à côté ce que un dossier de production, c'est-à-dire l'histoire résumée en une phrase, alors ça aussi c'est un exercice, hein. Un amnésique cherche sa femme à travers Paris en pensant traverser le monde. Vous voyez, c'est... Après, on rentre un peu plus en détail. Ça va être le petit texte que vous avez, la quatrième de couverture quand vous achetez un livre, un truc qui va vous faire des livres. Et puis après, vous avez vraiment le script détaillé à l'intérieur. Et là, j'avais demandé aussi la répartition des rôles et puis en retour sur l'expérience. Quel problème rencontrer, comment est-ce que vous avez fait ça, etc. Quelque chose d'un peu précis, et puis moi ça m'aidait aussi à avoir une vue d'ensemble, parce que parfois, il y a un carnet, par exemple, c'était carnet d'un médecin, c'était juste une écriture de médecin. Voilà, il y avait beaucoup d'efforts faits dans l'écriture de médecin, et heureusement que j'avais le dossier à côté qui me permettait de rentrer dans l'histoire. Donc, c'était,
sinon c'est interminable. Et tout à l'heure, je vous montrais la petite fiole, comment on voyait aller chercher dans Paris, mais il y a certains carnets qui m'ont, poussé à revoir différents quartiers aussi. Parce qu'ils mettaient l'accent sur des choses auxquelles on ne fait pas forcément attention, et eux, ils ont fait, j'allais dire, une fixation dessus, ils sont servis de certains endroits comme nœuds narratifs, qui font que on a envie d'y retourner, parce qu'ils ont vu différemment que nous, la façon dont on voit. Il y avait un mec qui avait été assez impressionnant, c'était une grande balle, et là il y avait plein de fioles, mais les quilles et tout, ouais. Avec un double fond. C'était une valise et il y avait une boîte dedans qui était supposée contenir de la poudre d'os et qui en fait était de la farine. Et moi, quand je l'ai ramenée, je semais de la farine derrière moi. On s'est rendu compte à la fin et c'est vraiment la petite poudre blanche. Vous aviez pris le taxi en plus parce que, le jour où vous avez vu tous les carnets qui sont arrivés, vous avez fait je peux pas rentrer avec les 30 carnets, 30 valises. Bah, je suis rentré, j'ai commencé à rentrer en vélo et puis par contre, pour le ramener, j'ai pris un taxi. C'est drôle, ça a l'air envie. C'est pas un gros sac qui fait traîner. J'ai pas pris mon tour, par contre, j'ai pas la vague. J'en travaille un peu. Mais ça, c'est un peu par rapport à un travail réel. Enfin, j'ai l'impression que le vrai travail, c'est souvent en musique. Oui, et complètement. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu des remarques qui étaient ah, mais non, on peut pas travailler un tas. Je dis non, on fait les équipes, on a fait les équipes. Le projet démarre un mois à peu près après le début des cours, et donc certains professeurs les connaissaient déjà. C'est un peu homogène au niveau des caractères, au niveau des compétences. Et l'idée c'était ça, c'est de créer des équipes et puis d'imposer le travail en commun, parce que finalement c'est ce qui va se passer plus tard aussi. Moi j'aimerais bien que je choisisse des équipes. Donc on fait avec, alors ça n'a pas forcément été sans heure. C'est aussi le travail de la communication, travailler en équipe, le respect, faire circuler les infos. Nous, on est d'une génération qui aime bien les accusés de réception, eux, pas du tout. Donc, quand j'envoie 150 mails et que j'ai pas de réponse, j'ai pas d'accusé de réception, c'est pas si du tout. Donc, voilà, il y a une sorte de gymnastique, de dynamique. Finalement, ça ratisse assez large, en fait. On s'est rendu compte progressivement dans le projet que ça ratissait assez large. Et alors, je suis curieux de savoir ce qui va sortir cette année, où c'est. C'est le quartier latin entre 67 et 69, pour ne pas dire 68. Voilà. Qui est un quartier qui est peut-être plus simple à aborder parce que finalement il a très peu changé depuis. Il y a toujours des pages de guide vert. Je suis un ancien auteur du guide vert, donc je ne peux pas empêcher de m'en sortir de temps en temps. Il y a toujours des pages de guide vert parce que le guide vert, ça m'arrive de voyager avec des vieux guides bleus ou des vieux guides verts par exemple. Vous voyez ce qui est plus là, vous voyez ce qui a changé, vous voyez, vous êtes conscient de l'évolution des choses. Et puis parfois, quand vous parlez à quelqu'un, tiens, il n'y a plus tel resto, ah non, mais vous connaissiez, et puis il y a une conversation qui s'engage, et puis voilà, vous avez un type de rapport aussi. C'est la projection dans le passé, c'est pas forcément un truc, et c'était le risque, peut-être avec ce projet aussi, c'était de tomber dans une forme de c'était mieux avant, etc. etc. Voilà. C'est pas du tout le cas, c'est pas du. C'est pas le bon vieux temps, c'est pas le. On travaille pas dans le bon vieux temps. C'est, au contraire, qu'est-ce qui a changé? Comment est-ce qu'on se positionne par rapport à ça, nous? Et puis, on étudie le passé, qu'est-ce qu'on va faire pour l'avenir? Dans notre métier, en tout cas dans notre cours, c'est un métier où on travaille tout le temps, en gros. Tout le temps. Des productions, quand on fait des films ou des jeux, des productions des fois à 200 personnes dans le métier. Donc, du coup, c'était une première approche dans notre cursus. À travailler en groupe avec des gens avec qui on n'a pas forcément envie de travailler, mais sur un tel projet et l'amour du projet et l'envie de mener le projet assez loin, un projet sérieux et ancré dans les contraintes que nous avons. Et le cinéma fait pareil. Hein. Le cinéma a aussi des équipes qui se chargent de faire des documents, qui se chargent de travailler sur les décors, qui se chargent de travailler sur les contextes, sur les lieux. Là, c'est pareil, il y a un jeu qui est assez populaire qui se passe dans le Paris de la Révolution. On a reconstitué le Paris de la Révolution. Avec les bruits de Paris, on est allé chercher des scientifiques qui ont travaillé sur les bruits de Paris, il y a une vidéo d'ailleurs, des bruits de Paris qui étaient développés par des chercheurs.
voilà, la vie des gens, comment est-ce que les gens se déplacent en groupe, en foule, parce que c'est un jeu qui est la première personne, vous marchez vraiment dans les montagnes. Et parfois on prend quelques libertés, par exemple l'hôtel de... c'est l'hôtel de Beauvais, c'est ça qui est à côté. Hein. Voilà, dans le jeu il est représenté non pas dans sa forme de la fin du 18e, mais dans sa forme du 19e. Parce que sa forme du 18e, dramatiquement parlant dans l'histoire, n'était pas intéressante, celle du 19e été. Et puis ne parle pas aux Américains aussi, puisqu'il y a des... Voilà, c'est que dans notre milieu aussi du jeu vidéo, plus du jeu vidéo, on va s'ancrer dans l'histoire, mais en prenant des aises aussi, pour essayer d'adapter au public qui va arriver. Par exemple, je sais que dans ce jeu-là, Assassin's Creed, pour le citer, il se passait une époque où le drapeau tricolore n'existait pas encore. Mais du coup, il y avait drapeau tricolore partout, parce qu'un Américain, Paris sans drapeau tricolore, c'est pas possible. Avant le drapeau tricolore, il y avait le drapeau vert. Voilà, et bien du coup, dans tout ce jeu-là, obligé pour parler international de mettre le drapeau bleu bordeaux, sinon le Américain ne le trouvait pas. C'est-à-dire que vous avez la veine d'inspiration d'Alexandre Dumas, quoi. C'est exactement ça. Hein, c'est... Je me suis abstenu de citer après la première citation parce que j'ai entendu des grands cris. Un peu difficile. Il disait on peut violer l'histoire à condition de lui faire de beaux enfants. À condition de lui faire de beaux enfants. Oui. Eh bien, alors, il y a une chose qui moi, m'amuse parce que donc, ça fait le deuxième projet qui est sur les années 60. Hein. Donc, le projet ici et le projet au Café Latin, si j'ai bien compris. C'est ça. Et au même moment, Guy Debord avait fait toute une série de textes sur l'urbanisme effroyable qui avait saccagé la ville de Paris. C'était donc avant la Société du spectacle, je crois, ces textes. Et ce qui est intéressant, c'est justement la critique radicale de la Société de l'information devenue la Société du spectacle, cette partie d'une critique radicale de l'urbanisme ravageur de Paris des années 60. Et donc, du coup, je retrouve des livres que nous ne lisons plus, parce qu'ils sont difficiles à lire au niveau du style. C'est une syntaxe très particulière, c'est une syntaxe très, très classique, pour une critique complètement radicale liée à l'urbanisme de Paris, qui se promène entre le Quartier Latin et le Marais. Et justement, lui voulait créer des ambiances pour résister à la destruction du nouvel urbanisme. Mais c'est vrai que le choix des années 60, ça a imposé au départ aussi, parce que les années 80, c'est trop proche, peut-être. Les années 60, c'est il y a une bonne distance. On ne l'a pas connu, ils n'ont pas connu, mais ils ont dans leur entourage sans doute des gens qui eux l'ont connu. Donc ils peuvent aller voir des témoins, ils peuvent rencontrer des témoins. Et dans le quartier, en se promenant, ils peuvent aussi rencontrer des témoins. Voilà. Parce que tu as le goût de leur faire des portraits. Mais les années 30, alors, il n'y aura pas de témoins, mais en quoi ça pourrait être tout aussi intéressant les années 30? Oui, mais je pense que toute époque sera intéressante. Après, il faut arriver à se projeter aussi. Ça dépend du temps dont on dispose et de la quantité de recherches qu'on peut faire. J'avais, par exemple, pour les années 60, fait une petite sélection cinématographique et de musique aussi. Qu'est-ce qu'on écoutait à l'époque et qu'est-ce qu'on regardait au cinéma? Alors, pour 76-69, on allait voir James Bond, alors en 63 aussi, hein, puisqu'il y a un premier qui sortait. On allait voir La Beauté et le Truand, mais on allait voir aussi les premiers films d'Éric Rohmer sur la ville de Paris, hein, les premiers films d'Éric Rohmer, c'est l'urbanisme en banlieue. C'est une étudiante à Paris, au début des années 60, d'Éric Rohmer. C'est une étudiante étrangère qui parle de Paris, et c'est intéressant que ce soit une étudiante étrangère parce qu'elle découvre la ville, et elle se promène dans les rues de Paris, dans le quartier latin, et elle en parle avec les yeux de quelqu'un qui n'est pas blasé, hein, qui n'a pas grandi là, et qui la découvre. C'est aussi François Truffaut, Oui. Là-bas, moi, En fait, c'est juste que, parce que du coup, en fait, je suis dans la même école, j'ai participé aussi au projet, en fait. Pour les années 60, en fait, donc ce qu'on disait, c'est un projet de groupe, on avait peu de temps et beaucoup de travail aussi à côté. Et les années 60, déjà, c'est quelque chose, comme justement il y a des témoins au niveau du travail de recherche, on pouvait pousser plus loin. Et par exemple, je sais que dans mon groupe, ça a permis à certains de prendre contact avec leurs grands-parents, leur demander de raconter leur vie, comment ils l'ont vécu. Et ça nous permet de créer des liens avec des personnes ou créer des discussions qu'on n'aurait pas forcément abordées autrement qu'avec ce projet-là. Et je pense que si on avait eu les années 30, comme il y a déjà moins de témoins,
ça aurait été un travail de recherche beaucoup plus long, et avec le temps qu'on avait, je pense que les années 60 c'était quand même un très bon sujet, et surtout dans le Marais il y a eu pas mal de choses qui sont passées, donc c'est très intéressant. C'est un bon cœur. Hein. Peut-être que les années 30 nous auraient peut-être poussé à être un peu plus dans le cliché de notre. De ce qu'on apprend dans l'histoire, dans ce qu'on apprend à l'école, alors que dans les 60. Peut-être, les années 30 c'est entre deux guerres. Ouais. Le problème c'est que comme on l'apprend beaucoup à travers le prisme de l'éducation nationale, peut-être qu'on aurait eu beaucoup de choses à déconstruire pour essayer de s'ancrer dans la vie réelle des gens et pas tomber dans le folklore qu'il y avait à cette époque-là. Alors que être dans les années 60, c'est aussi une époque qu'on étudie peu, quand même, qui est l'après-guerre, on étudie assez peu à l'école. Et du coup, d'essayer nous de faire les recherches. Du coup, les recherches étaient plus faciles parce qu'on l'apprenait à chaque recherche qu'on faisait. Alors que les années 30, peut-être que du coup, on serait dit ah oui, mais il y avait ça à cette époque-là, il y avait ça à cette époque. Alors qu'en fait, peut-être pas du tout, ça marchait pas. Alors justement, la recherche, est-ce que vous êtes heurté à des problèmes de méthode ou à des sources absentes ou à des... Qu'est-ce que vous manquez? Qu'est-ce que vous avez lu au contraire? Qu'est-ce qui a pu vous manquer dans cette recherche, historique? Alors peut-être ce qui nous manquait, on a fait lien avec l'imagination. Assez rapidement avec notre imagination, on a dit on rusait à chaque fois. D'abord, avec par exemple la carte perforée ou le menu qu'il y avait. Il y avait un menu de restaurant aussi. À chaque fois, on disait comment on va l'utiliser. On trouvait, je sais pas comment, on trouvait une manière de l'utiliser. C'est une belle contrainte, c'est que d'utiliser tous les documents et parfois qu'il y a ça sert à rien, c'est quoi, la panique, après on trouvait forcément une utilité, et c'est ça qui est intéressant. Après on n'interprétait pas forcément bien les documents, ça dépendait du coup. Par exemple, le jeune communiste qui était tué, qui est communiste, on le voyait comme un milicien à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les milices françaises qui étaient pour les auxiliaires, qui étaient ouais, pas trop comme ça. Les auxiliaires de l'Église de la guerre, c'est un peu... Ah ouais, vous savez, en 1943, 1944, c'est entre Yves Montand
Et sinon aussi, ouais, qui poste, l'un passe un télégramme, donc c'est une caricature de la poste de l'époque. Et encore, j'ai aucun informatif, j'en avais. Oui, il y a les pneus, le système des pneus existe toujours. Oui, il paraît, oui. Alors, ouais, mais entre nous, il faudrait. Ça vous dit quelque chose, le pneumatique? Non. Bah, en fait, il y avait des tubes qui reliaient les. Tout Paris était relié par des tubes dans les tubes. Donc, on voyait ça. C'est des trucs que vous voyez dans les supermarchés, quelquefois. De toute façon, là, c'était. Tout Paris, à travers les égouts, il y avait. Et on pouvait envoyer un pneu d'un bureau de poste à l'autre. Donc on avait le. C'était la dernière, c'était le. Ça occupe des années 60, 70. Le réseau, c'est toujours. Et la grosse. La machine. Le compresseur existe. Ah, bon, ça c'est ça, c'est ça. Quand l'Amérique Express était hostile. Alors c'était Espresso. Ah oui, c'est que le côté des trucs d'espresso. Oui, oui. Bon, il y avait l'Amérique Express à l'époque, dans les années même 70, c'était sur plusieurs étages. Et il y avait des pneus, on était dans le enfin, c'était pas un texte. La boîte de Télex déjà, le texte du Télex. Ah oui, d'accord. Dans le pneu, je l'ai envoyé, puis ça arrivait, on allait comme ça, les justement, le jeu vidéo et l'histoire d'un témoin, il y avait une société dans les années 90, je crois, des GDO, qui avait fait des jeux vidéo vraiment très liés à l'histoire, comme Versailles ou sur l'Égypte de la Louis. Ce sont les sociétés qui ont fait faillite. Est-ce que c'est une dimension très française de vouloir mélanger histoire, patrimoine et jeux vidéo ou est-ce que justement, je ne sais pas, au Canada, aux États-Unis ou autres, les étudiants vous les intéressez à l'histoire, nourrissent leur, justement leur réflexion leur... Cuisine méthode aussi. Oui. Aussi pour cuisine méthode. Oui, tout à fait. Ouais. Je peux vous répondre. Effectivement, mais alors, c'est des jeux dont vous parlez, Versailles, l'Égypte, etc. Les boîtes n'existent plus, mais le catalogue existait toujours. Ils ont été réadaptés pour mobile il y a quelques années, quasiment à l'identique. Et ça fonctionne? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a un public, en dehors de, je dirais, du public français qui a un goût pour l'histoire, est-ce qu'à l'international, en jeu vidéo, l'histoire, le patrimoine, touche un public? Versailles n'avait pas trop mal marché. Et par contre, alors, au début des années 70, il y a un jeu qui avait été développé par trois profs de l'université pour faire comprendre aux étudiants américains ce qu'avaient vécu leurs ancêtres, qui les pionniers, vous savez, qui partaient sur des bateaux mâchés. Et ça s'appelait la route de l'Oregon. Donc l'Oregon, c'était sur les côtes pacifiques, et c'était en passant les montagnes rocheuses après avoir quitté le Mississippi et les grandes plaines. Et ce jeu, c'était une simulation, en fait, donc on peut appeler ça un jeu documenté, disons. Ça permettait, alors ça tournait dans toutes les. Dans pas mal d'écoles américaines. Donc on choisissait au départ si on était un immigrant banquier ou charpentier ou commerçant. Et le métier que vous cherchez vous permettait, par exemple, si vous étiez charpentier, de remplacer une roue, si jamais, pendant pas, de négocier avec les Indiens si vous étiez commerçant. Il paraît qu'il y a des générations entières qui ont été traumatisées par ce jeu, puisque on trouve des t-shirts où vous avez le petit chariot bâché de la vache, et en bas, vous êtes mort de dysenterie. Ce qui était une des façons de mourir dans le jeu, vous pouvez même perdre comme ça les membres de votre famille. Et ce jeu était régulièrement remis à jour pour les nouvelles machines, et vous pouvez jouer sur votre téléphone portable. Voilà. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler un jeu patrimonial américain. Mais dans les années 90, à l'époque du CD-ROM, au même moment qu'il y a eu les jeux dont vous parliez, en 94, est sorti une bande dessinée sur le débarquement. C'est un étudiant d'école d'art qui avait voulu vendre la version papier. À un éditeur qui n'en a pas voulu, et puis il a développé dans son coin, parce que l'interactivité commençait à émerger, il a appris à programmer tout seul, il a créé une version interactive de cette bande dessinée, et on passe d'une case à l'autre avec des interactions, qui tournait sur CD-ROM, et qui était publiée, je crois, par Flammarion Gallimard à l'époque, et qui était quelque chose d'assez révolutionnaire, puisqu'il y avait tout un pan documentaire à côté qui était très développé. Par exemple, si le personnage. On avait une vignette avec le personnage qui marchait dans la rue et une affiche pour parler en allemand affichée. L'affiche était un bouton en fait, qui a mené à une entrée encyclopédique sur la propagande allemande pendant la guerre. Voilà. Si on croisait un soldat allemand, par exemple, on pouvait voir les détails de l'uniforme dans un deuxième niveau de lecture qui n'entravait pas la lecture d'un bande dessinée. Voilà.
Et donc c'est un... ça date de 94, alors c'est évidemment obsolète parce que c'est du CD-ROM. Et il y a tout un parc comme ça du patrimoine numérique qui disparaît au fur et à mesure et très très vite. Parce que avec l'évolution de la taille des téléphones, des systèmes d'exploitation, de l'obsolescence des plateformes, vous avez tout un pan comme ça de la culture numérique qui disparaît peu à peu. Voilà. Là, il y a, par exemple, il y a deux jours, il y a une maison d'édition, une toute petite maison d'édition scandinave, qui a fait des jeux absolument formidables, qui ne sont pas des jeux de tir ou des choses comme ça, qui sont des choses très poétiques, ancrées dans l'imaginaire scandinave, ancrées dans la littérature et les films noirs des années 50, par exemple, qui a dit on a passé toute l'année dernière à mettre à jour nos programmes pour le nouveau système d'Apple, etc., etc., au détriment du développement de nouvelles idées, donc on jette les ponts, on arrête de développer pour les nouvelles. On va se concentrer sur les consoles, et puis on va penser peut-être à faire des jeux de plateau. Donc, vous voyez des boîtes qu'on achète, qu'on met sur une table, et qu'on met des jeux, etc. Voilà. Donc il y a une technologie qui va extrêmement vite, qui est extrêmement stimulante, mais aussi qui crée énormément d'oubli. Voilà, des œuvres qu'on crée qui disparaissent très très vite, et de plus en plus vite. La BNF, par exemple, essaie d'archiver les œuvres. Il y a des dépôts légales. Oui, mais le dépôt légal ne suffit pas parce que vous avez archivé le CD-ROM, c'est très bien, mais il faut la machine pour le faire tourner dessus. Il faut qu'elle ait le bon système. Donc à la BNF, ils ont au dépôt légal, ils font beaucoup les vide-greniers, vous savez, au printemps, on commence à avoir des vide-greniers partout en France. Donc ils prennent des voitures, ils vont faire les vide-greniers dans le Poitou, etc., pour retrouver des CD-ROM pour acheter les gens, pour avoir des originaux. Et à côté de ça, ils chinent aussi les vieux ordinateurs, ils ont des armoires pleines de pièces détachées parce que l'ordinateur c'est bien, mais le jour où ils tombent en panne, on ne peut plus lire ce qui a été développé dessus. Donc ils nous disent qu'on a beaucoup plus de facilité à conserver un incunable. Ou un papyrus, c'est beaucoup plus simple. Vous n'avez pas besoin d'avoir l'œil qui va permettre de lire. Donc c'est des questions qui sont, alors c'est un autre débat, hein, mais c'est des questions qui sont très peu abordées par les auteurs numériques. À partir du moment où leur produit est sorti, ils balancent le boulot. Et il n'y a plus que l'œuvre finale. Et quand l'œuvre finale a disparu, il n'y a plus rien. Voilà. Parce qu'on est aussi au numérique, quand on décide au numérique, c'est différent que à l'époque, quand on décidait en papier, ça se stocke, c'est des choses. Maintenant, ça se stocke sur ordinateur. Une fois que c'est fini, le projet est fini, soit ça s'archive dans l'entreprise, soit on supprime tout et on ne garde plus rien. La BNF fait souvent des expositions avec les brouillons des écrivains. Ben, il n'y a plus. Ils sont Proust, on va continuer à vous ressortir Proust parce que les écrivains actuels. Des correspondances des écrivains. Voilà, par exemple. Et l'archivage a un autre problème, à tel point qu'INA pense sérieusement repasser les films en pellicule. Hein. On va les numériser, on va passer en pellicule. La pellicule, vous pouvez faire comme ça, vous voyez de quoi il s'agit. Vous avez un disque dur. Vous avez même à pouvoir voir la liste de ce qu'il y a dedans. C'est super frustrant, parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Moi aussi, je veux revenir à l'archivage papier. Sur ordinateur, c'est volatile. C'est volatile. Hein. Il n'y a plus de CD. Il n'y a plus de CD. Les CD, on se dit dessus parce que ça ne reste pas dans le temps, le CD. Et le disque dur non plus. Le disque dur ne reste pas dans le temps. Et le SSD moins que le disque dur à papier. Ouais. Donc, nouvelles technologies qui vont plus vite, mais où on ne garde rien. Donc maintenant, on met tout sur des drives, sur des serveurs qui sont aux États-Unis, sur autre chose. On stocke tout ça là-bas, comme ça, on peut avoir accès à tout moment à nos fichiers. On ne garde rien sur un ordinateur, parce qu'un ordinateur, on peut lever un PC, le lâcher, et le disque dur, on peut se casser un os. Ouais. Donc, qui consomme énormément d'énergie. Le bitcoin en 13e est chauffé par une forme d'emprunteur. Oui, oui. Aux États-Unis, en tout cas, ça consomme. C'est une bibliothèque d'Alexandrie qui peut brûler encore beaucoup plus vite que. C'est ça, mais il y a un truc. Je suis en train de lire ce bouquin qui est assez chouette. C'est des entretiens entre. Bon, on sent un peu du sujet du Paris-Stone. C'est des entretiens entre Umberto Eco et Jean-Claude Carrière. De vieux messieurs, très espiègles. Alors ça s'appelle N'espère pas vous débarrasser des livres. Et on demande à un moment donné à Umberto Eco si jamais il y a le feu chez vous. Alors c'est un très grand bibliophile. Enfin, il dit mais je sauve mon incunable, je sais pas quoi. Et puis plusieurs pages après, il dit mais vous savez, je vous ai dit que je sauvais mon incunable, mais j'embarque aussi mon disque d'or de terrain. Donc voilà, ce sont des. La seule chose qui va rester, c'est la pierre. Dans la pierre. On ne peut pas l'abri. Ah ben voilà, une belle conclusion.
À moins que vous ayez encore quelques réactions, que quelques questions à poser ou à... Après, je sais pas si vous voulez voir justement. Voilà, si on va voir les carnets, voir les feuilleter, les toucher. Voilà. Les sentir. En tout cas, merci beaucoup. Et puis.